les amis, dans ce jeu, nous allons devoir faire face à notre maman qui a caché notre console ainsi que tous nos jeux vidéo. L'histoire se déroule sur 30 jours et si on arrive jusqu'à la fin, on aura accès à un niveau bonus. Alors, c'est parti. Et salut tout le monde, c'est Red qui se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est actuellement sur le jeu Cacher mon jeu par maman. Bon, le titre est très mal traduit en français, mais nous, on s'en fiche, tout ce qu'on veut, c'est retrouver notre console de jeu et c'est parti pour le jour. Numéro 1, on doit trouver une DS, car effectivement, nous avons affaire à une maman qui veut pas trop qu'on joue à la console, alors... On va tenter de la retrouver, en espérant ne pas tomber sur notre mère. Bon, et là, il n'y a rien, apparemment. On va partir sur la droite, maintenant. Sous la lampe, il n'y a rien. Ok, on va ouvrir la commode, et c'est parti. Oh, les amis, on a retrouvé notre Nintendo DS, et on peut passer au jour numéro 2, maintenant. Ha, ça va être de plus en plus dur. Oh, la maman est là, les amis. On est censé faire nos devoirs. Et alors, ça fait quoi si on tire le rideau, là? Salut, maman, ça va? Non. Ok, d'accord, au fur et à mesure des niveaux, il va falloir faire en sorte de pas se faire attraper par notre maman. Alors, si on ouvre l'autre côté, c'est bon, ça passe, on s'est pas fait choper, on va voir là-dedans. Oh, what? Pourquoi j'ai un petit escabeau comme ça? À quoi ça va me servir, les amis? On peut aller de ce côté-là? D'accord, elle a mis en hauteur. Ha, elle a cru que j'étais trop petit. Bah, je suis trop petit, apparemment, vu que j'ai besoin d'un escabeau. Mais c'est pas grave, car on a l'utilité de ce petit escabeau. Vas-y, monte dessus et échappe le truc. Let's go! Ha, ha. Yes, on a retrouvé pour le deuxième jour. Ah, tous les jours, elle va nous la cacher, cette DS, c'est pas possible. Oh, un casque VR, les amis. À quoi cela peut-il servir? Attendez, on va enlever tous les livres. On fait genre, on est en train de faire nos devoirs. Oh là, c'est quoi ce bazar? Maman, mère casque VR. Ah, voilà, c'est bon, elle est occupée, elle est dans son monde. Et alors, est-ce qu'elle l'aurait pas mis? Attendez, derrière le coussin, peut-être? Non, elle a fini sa partie. Alors reviens toi maman, tiens, tu remets ça sur toi. Je vais regarder, voilà c'est ça, c'était sûr. Let's go, oh, comment il arrive de manière trop furtive. Il a eu, let's go. Jour numéro 4, alors, pour l'instant on arrive à survivre. Oh, il y a papy qui est à la maison. Oh, ok, oh, regardez où elle est. Elle a essayé de nous avoir, j'ai failli lui cliquer dessus. Alors attendez, dans la tirelire, hein. On va demander de l'argent de poche à papy. Salut papy, ça va? Mais c'est un SDF ou papy? Je sais pas, on dirait qu'il demande de l'argent, attendez. Hop. Oh, oh. Elle l'a mis dans la tirelire. Ah, c'est malin ça, hop là, casse-moi ça. Oh, une petite pièce, let's go. Mais oui, c'est pas papy en fait, c'est un clodo. Tiens, prends ça, what? On est en train de l'hypnotiser ou quoi? C'est quoi ce délire? Mais c'est ça en plus. Oh, mais la DS doit être sous le coussin ou un truc comme ça. Mais oui, c'est ça, enlève ça. Oh, c'est bon, on a réussi. Ah, mais c'est qu'elle devient de plus en plus maligne pour cacher notre DS. What? Elle a même recruté une équipe de foot. C'est quoi ce délire? On va marquer. Oh, oh oui, c'est ça en plus. Oh, non. Maman. Non. Qu'est-ce qu'elle se ramène avec un carton rouge? Pourquoi elle met un carton rouge à son fils? C'est n'importe quoi, j'ai jamais vu ça. Il y a d'autres solutions, maman, pour m'empêcher de jouer. Hein. Alors, attendez, on va ouvrir là. Ok, on va ouvrir là. Oh, un moustique. Une mouche plutôt. Maman, viens enlever les mouches plutôt que t'occuper de ton fils. La mouche, on en fait quoi? Tenez les joueurs. Ça va leur faire peur ou pas? Non. Oui, c'est ça. Ils ont eu peur d'une mouche. Let's go. J'ouvre ça et on a gagné. Bon, c'est quand même fait choper une fois, mais bon, c'est pas grave. Allez, jour numéro 6 et on aura bientôt complété une semaine. Et n'oubliez pas qu'il y aura un level secret, un stage secret, un niveau secret, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Non. Oh. Bol de riz, ok, un seul, deux, ok, ouais, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas en prendre quatre, hein, tant qu'à faire? Hop, on est des gourmands. Ça, c'est maman ou c'est le petit frère? Je sais pas, on va pas... Ah, tiens, papy, tiens, prends ça, t'en veux d'autres? Ok, il mange... Oh, il y a un truc là derrière, attendez. What? Mais non, mais il est complètement débile, mec, il fallait que je lui donne les baguettes. Bon, on va en prendre qu'un seul, comme ça, on aura de la place. Hop, on prend les baguettes et... Tiens, mon pote, prends déjà, voilà, les baguettes, on te remplit ça. Et alors, elle est où, la DS? Elle est où, ma console? Elle est où? Ah, d'accord, il en veut plus. Oh là là. Oh, le gourmand, quoi. Te fais pas une luxation de la mâchoire en mangeant, papy. Ça commence à faire beaucoup, tout ça. Tu risques de blesser. Attention. Hop là. Ok, ça va. Un dernier. Allez, hop. Donne-moi la DS maintenant, papy. Tant que maman n'est pas là. Oh. Oh. Oh, ça y est, il est rassasié. Oh, il dort. Ça y est. On l'a couché, le vieux. Ça y est, nous sommes donc à la fin de la première semaine, les amis. Et alors là. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Il y a pour... pourquoi il y a un carrefour de... What? Mais qu'est-ce qu'ils font là, eux aussi, là? Vous êtes chez moi, je comprends pas. Bon, on va aller sur la droite voir ce qu'il y a. Ok, mamie est là, enfin maman. Oh, ah d'accord, c'est qu'ils sont perdus. Allez tous ici. Attendez, mettez-vous tous là. Là, là. Allez voir ma mère. Non, ça marche pas. Allez tous ici. Qu'est-ce que je dois leur faire? Je dois leur mettre sur le téléphone. Tiens, oh, voilà, rendez-vous tous au milieu. Par contre, partez. Allez-vous-en, allez-vous-en. Mais maintenant, je peux pas ouvrir l'armoire, je vais me faire défoncer, mais oui. Bon, je vais essayer de leur mettre le truc juste là, je sais pas si ça va marcher. Oui, c'est bon, ça va marcher. Venez tous sur cet écran, c'est parti.
Ils sont complètement débiles, ces types-là. Allez hop, c'est confirmé, niveau 7 réussi. Alors, jour 8 maintenant. Il y a une fissure, très bien. Oh, attendez, il y a un truc sous le canapé. J'espère que c'est pas ma mère. Je peux pas cliquer pour l'instant. Il va falloir que je prenne une batte, apparemment. Mais non, on va pas faire ça. On va pas mettre un coup de patte dans la pastèque. Mais si. Mais non, c'était dans le mur qu'il fallait le faire. Par contre, on va mettre un sacré boucan de taper dans le mur. Attention, c'est parti. Boum. Non, mais elle est partout. Elle, c'est pas possible. Faut taper dans le canapé, en fait. Oh, d'accord. T'as pas besoin d'une batte pour faire ça. C'est bon, t'avais le bras. C'est long. C'est bon, c'est gagné. Jour 9. Alors, comment ça se passe? Oula, il y a un trou là. C'est un piège. Et moi, je tombe de ce direct. Oh, le noob. Bon, très bien. Alors, on va aller de ce côté-là. Ah, oh. Oh, attendez, il y a un truc là. Maman, attention. Oh, ben. Ah bah d'accord, j'ai perdu. Bon alors, très bien, je vais enlever le coussin, voir. Oh, maman, attention, il y a une mouche. Attendez, on va occuper la mouche avec ça. Non, il faudrait que la mouche se mette sur le piège. Non, ça marche pas. La mouche sur maman. Oui, c'est ça. Allez, allez, allez. Oh, maman a peur. Là, je mets le serpent ou pas? C'est peut-être une mauvaise idée, hein. Vas-y, je mets le serpent. Hop là. Oh, non, j'ai perdu. Oh, d'accord, ok, je viens de récupérer sa bulle. Et je peux récupérer le point d'interrogation, non? Mais alors, qu'est-ce que... Mais oui, je recouvre le sol et c'est bon. Mais c'est n'importe quoi. Ça y est, c'est en train de partir en vrille, ce jeu. Jour numéro 10 maintenant. Let's go. Encore une déesse à trouver. Alors, il y a un truc dessous là. Est-ce qu'on prendrait pas le balai pour aller le récupérer? Non, je sens que c'est trop facile, c'est pas ça qu'il faut faire. Oh, mais non, c'est une affiche, regardez, c'est un poster. Attendez, on peut ouvrir. Oui, c'est ça, ok. Je mets ça là-dedans. Non, ça marche pas, ok. J'ouvre là. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un coupongle un peu chelou, ça. On dirait un coupongle. Ben, qu'est-ce que je peux faire? Je t'enlève d'ici, maman. Voilà. Oh, il va y avoir un truc derrière. Mais oui, c'était ma déesse qui était cachée. Elle est maligne, celle-là. Mais ton fils, tiens bien de sa mère, il est aussi malin que toi. Alors, jour numéro 11 maintenant. What? Bon, les amis, là, ce n'est plus compréhensible, ce jeu. Pourquoi il y a des Lucky Blocks? Mais non, on est dans Mario. Bon, je vais éviter de prendre celui-là parce qu'il y a maman qui se cache, mais... Attendez, on va mettre des pièges, apparemment. Hop là, hop là, hop là. Est-ce qu'il faut que je mette ça aussi, la tortue, ou pas? Je sais pas, on va ouvrir. Oh, attends, j'ai marché, c'est sûr. Ok, on va mettre la tortue cette fois-ci, comme ça, au moins, elle va bouger, et puis au moins, je pourrais peut-être passer. Alors, la tortue, c'est parti. Oh, c'est qui, ça? C'est maman. What? On va ouvrir celui de maman, là. C'est quoi ça? Bon alors, il faut mettre la banane en premier et ensuite la tortue qui va manger la banane. Non, peut-être... Oh, je sais pas. On peut pas l'enlever, la banane. Ah si, c'est bon, j'ai pu la récupérer. Je peux aller ouvrir maintenant ou pas? Oui, c'est bon. Yes. Alors, c'est quoi ce délire là? Ok, il y a des bananes partout maintenant. What? Là, on est face à un mur bleu. Alors, je sais pas du tout où est ma DS, mais... Ah, attendez, est-ce qu'on va pas attendre que quelqu'un arrive là? Oui, c'est ça. What? Il a ma DS, les amis, il a ma DS. Comment je vais faire pour la récupérer? Prends tout ça, prends tout ça, prends tout ça. Oh, vas-y, hop, voilà. Viens là, viens là. Oui, c'est bon, j'ai eu la DS. On l'a bien eu. Mais dans ma maison, c'est un véritable zoo. Maman, t'es cramée, en fait, là. T'es complètement cramée. Alors, attendez, on va voir ça. Oh, tiens, papy, prends ça. Oh, what? Maman, c'est quoi ça? Bon, bah, c'est encore perdu. Bon, on va tirer les rideaux, voir ce qu'il y a. On va ouvrir la fenêtre. Oh, 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 what? C'est une soucoupe, mais elle est toute petite. Ok, on va refermer peut-être. Oh, je l'ai prise, c'est bon, je l'ai eu. Et maintenant que je l'ai, bah, je sais pas, peut-être qu'on va l'envoyer chez les ovnis. Salut, papy. Oh, ok, ok, tout se passe bien. Oh, bah attendez, je peux ouvrir, mais là, le problème, c'est que je vais me faire choper par la mer. Est-ce que si maintenant je lui mets un masque, ça peut le faire? Attendez, ou alors je mets le masque sur la mer? Non, là, je te mets le masque sur toi? Non, ok, bah je vais ouvrir, on va voir. Oh, oui, c'est bon, ça a marché, elle ne s'est même pas captée. Ah, ok, la DS est juste là, mais ça sent le piège. J'ai pas envie de cliquer dessus. Maman, depuis quand on organise des courses? What? J'ai gagné? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a plusieurs courses en fait. Mais attends, je suis en train de tout casser. Je vais mettre un serpent. Ok, c'est pas ça qu'il fallait faire. Bon, moi, je vais essayer de prendre directement la DS. Hop, je la prends. Ah, mais non! Il faut que je mette un truc. Oh, il y a un truc derrière. Il y a maman derrière là, elle est cachée. Ah oui, il fallait que je clique sur la ligne d'arrivée. Bon, bah, c'est bon, j'ai gagné. Hop, j'ai plus qu'à prendre la DS. Et c'est la win. Alors, niveau 15, comment ça se passe? Il n'y a pas grand chose, hein. C'est quoi ça? Oh, c'est un interrupteur. Oh. Parfait, attendez. Bon, je vais récupérer un truc, une lampe torche. Très bien, ça peut être utile. Là-dedans, il y a quoi? Il y a rien. Là-dedans, il y a rien. Attendez, il nous faut... Oh. Ok, elle est où? Oh, oh, oh. Ah, ça tombe, ça papille. Ok, bon, on va faire un meilleur usage de la lampe torche cette fois-ci, hein. On va y rééteindre comme ça, mais on va essayer de trouver... C'était maman, ça.
On va l'éviter. Attendez, on va aller sur le... C'est bon, je l'ai eu. Yes. C'est la grande sœur, ou alors c'est maman qui s'est déguisée. Attendez, on va ouvrir la porte. Ah, fallait pas, je crois. Fallait pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière le coussin? Un portefeuille. Tiens. What? Mais what? Pourquoi il y a la police libre? Bon, ok, toi, tu vas être de mèche, ok? Retourne-toi, fais quelque chose. Va chercher le portefeuille. Ou alors, attendez, je vais regarder sous. Ah ben là, normalement, je vais pas me faire choper par la police. Attendez, je vais prendre une photo d'elle. Oh, voilà, c'est fait. Et maintenant, on ouvre la porte. Est-ce que c'est bon ou pas? Non, c'était pas ça. Bon, je vais prendre une photo de toi et une autre. Hop là. Oh, ok, vas-y, continue. Voilà celle-là et on va ouvrir. Ah, d'accord. Fallait qu'elle se déplace et qu'on ouvre le bureau. Yes. Ok, alors on a des petits morceaux de papier dans la corbeille. Très bien, on va tout récupérer. Non, peut-être pas tout parce qu'après, j'aurai plus de place et on va devoir le lancer sur... Ok, tiens, maman, ramasse. Ok, ramasse. Ok, ramasse encore. Très bien, parfait. On en récupère une autre et là, c'est bon normalement. Non, attendez, je vais pas le lancer là, je vais le lancer là. Voilà, viens là, maman, viens là. C'est le moment, les amis. Go. Yes. T'avais qu'à acheter un aspirateur qui fait moins de bruit, tu m'aurais peut-être entendu. Oula, c'est de pire en pire. Ok, elle était au milieu, je crois. Ok, elle est à droite, au milieu. C'est bon. Quoi? Je suis sûr d'avoir vu au milieu. Regardez notre mère qui se cache derrière la lampe derrière. Elle est complètement cramée. Alors, attendez, on va vérifier si c'était au milieu. Oui, c'est bien au milieu. Ok, droite, gauche, droite. Mais milieu. Mais c'est encore milieu, c'est sûr. Mais ouais, mais c'est sûr à 100%. On est d'accord, les amis, c'est bien au milieu. Ah, je sais où c'est, les amis. C'est sûr, c'est sous son chapeau. Je suis sûr, il l'a mis en dessous. Attention. C'est parti. Sous ton chapeau. What? Sous sa tête. Et alors, dans la lampe, là. Bah oui, c'était sous la lampe. Il est trop fort, ce magicien. Oula. Nous sommes face à un Tetris. Ah, d'accord, faut tout récupérer. D'accord, il faut juste pas se tromper parce qu'il y en a une qui ne sert à rien. Ok, la grande barre, elle ne sert à rien, je crois. Donc, on va prendre tous les autres. Hop, comme ça. Voilà. Continue, maman, à faire tes étirements chelous, là. Hop, voilà. Mais ça rentre pas. Bon, bah, je vais tenter de mettre une barre, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Ah, mais si, c'est qu'on est en train de jouer, en train de diminuer. J'avais oublié cette fonction de Tetris. Alors, attendez. Maintenant, on va mettre ici. Normalement, c'est bon. Ça va enlever une ligne. Ensuite, il va falloir enlever... ah, bah, c'est bon. La DS est là. Yes. Jour numéro 20, et c'est la dernière ligne droite, les amis. Alors, attendez. Oula, qu'est-ce que je peux faire? Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle aussi, là? Alors, là-dedans, il y a quoi? Ok, très bien. J'espère que je vais pas me la prendre dans la tête, celle-là. Hop, tiens, je la lance. Oh. Et alors? Mais c'est perdu. En fait, il faut que j'arrive à faire en sorte qu'il n'arrive pas à bien la taper, donc faudrait que je lui enlève la patte ou quelque chose. Allez, réagis, fais quelque chose. Non, il veut pas. Comment je pourrais mal lui lancer? Je le lance sur le côté comme ça. Voilà. Oh, c'est bon, la maman est occupée, on peut récupérer la DS, yes. Alors, la DS est juste là, mais le problème, c'est que... Il y a un truc blanc au mur là et surtout, bah, à mon avis, on peut pas la récupérer, je pense. Oh, what? T'as le canne à pêche. Mais elle est complètement tarée, elle. Bon, je vais reprendre le panneau. Hop, voilà, on va essayer d'aller, je sais pas, le mettre là, ou alors faire tourner le sens du truc. Qu'est-ce qu'on peut faire, les amis, avec ce panneau? Ah, d'accord. Ah, j'ai débloqué le truc. Alors, attendez, on casse ça, on prend ça. Oh. Tiens, maman, t'as pêché ça, regarde. Oh oui, coupe le fil, mais oui, c'est bon. Allez, hop, c'est gagné. Le pire ennemi des pêcheurs. Jour 22 maintenant, et on a... Oh, on a un petit chat maintenant. Oh, faut pas cliquer sur la flèche, là. Alors, attendez, on ouvre. Ok, tiens, petit chat, je te donne un peu de thon, s'il te plaît. Hop, voilà, si tu veux, plutôt. Un concombre? Pourquoi faire? Tiens, prends le concombre aussi. Non, ça marche pas. Attendez, je vais le donner à la mère. Non, ça marche pas. Ah, c'est bon, j'ai pu le positionner. Oh, derrière lui, d'accord, ça lui a fait peur. Attendez, j'ouvre ça. Oh, j'ai failli me faire manger par le chat. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc jaune là? Je pense que c'est une mauvaise idée de le toucher. Non, je me suis fait piquer. Ça va être un poisson lanterne ou un truc comme ça. Oh, mais oui, ça va. Aïe. Ok, là, je sais pas ce qu'il faut faire. On va aller vers la droite, voir. Oh, ok. On va ouvrir ça, y a rien. On va ouvrir ça. Qu'est-ce que tu caches là-dedans? Et derrière ça, là, y'a quoi? Y'a rien? Ok. Oh, un poisson Nemo! Yes! Va dans ton Nanemon, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, merci pour ma DS, yes. Oula, y'a un grand trou pour accéder à l'armoire, c'est pas normal ça. Ok, toi t'es cramé. Alors attendez, je vais ouvrir ce côté-là, je vais ouvrir la fenêtre. Oh, pas mal, ok. On va mettre ça là-dessus, je suis pas sûr. What? Je me prends pour Superman? C'est quoi ce délire? Oh, j'ai réussi à récupérer la tringle, les amis. Attendez. Oh, une deuxième tringle? J'en ai deux? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire un truc avec ça? Alors, attendez. Si je mets ça... Oh! Mais oui! C'est beaucoup mieux que de se prendre pour Superman! Oh, il est parti où, par contre? C'est bon, on a équipé la DS, yes! Alors, qu'y a-t-il dans ce bureau? Je le sens pas. Oh, bah, ok, y a rien à faire, de toute façon. On ouvre. Oh! What? Attends, donne-moi ça. Qu'est-ce que tu fais dedans, toi? Ok, on va mettre ça... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pour faire du jus ou quoi? Attendez, on va le relier, je sais pas trop ce que c'est. Attendez, je vais le mettre comme ça? Non. Qu'est-ce qu'il faut relier alors? Est-ce qu'il faut relier le 25 là? Est-ce qu'il faut relier ça? Non. Est-ce qu'il faut relier ça? Non.
marrant. Ah, les amis, il y a un truc. En fait, c'est un détecteur. Attendez, regardez. Ça a bougé quand j'étais là. Oh, oh. Non, allez, c'est pas par là. Par là. Mais what? Ça bouge des fois. Là, là, ça bouge là. Il est juste là, le truc. Il est juste là. Tu l'as capté, tu l'as capté. Ah, ok, fallait que j'arrête et que j'appuie sur le sur la DS. C'est bon, c'est réussi. Pourquoi elle a fait installer un passage piéton dans la maison, là? Merde, oula. Ok, c'est quoi? C'est chercher l'intrus. Ma mère, elle est pas là, ok. Oh, je peux récupérer les types. Ah, d'accord, faut que je récupère les 4 personnes. Là, ok, et l'autre, ça doit être ma mère, donc je récupère pas. Et on doit les mettre là-dessus. Oh, trop bien, mais c'est le disque, là. Enfin, l'album des Beatles. Par contre, je connais pas l'ordre des types, j'espère qu'il y a pas l'ordre. Oh, c'est ça, d'accord. Les ronds, c'est que c'est bon. Ok, il faut que j'inverse les deux autres. Ok, pas de problème. Donc, on a dit le bleu ici, le gris, c'est celui-là, le noir, et ensuite le blanc, et c'est parfait. Normalement, c'est ça. Yes! Et alors, ça me donne. Ah, bah, d'accord. Elle tombe du ciel. Bon, elle est cassée, mais bon, au moins, on l'a trouvée. Ok, ah d'accord. Ouais, vaut mieux pas taper dans la porte. Bon, je vais tenter au hasard, je vais dire plein milieu comme ça là. Oh, ok, il faut retenir les trucs. Ah, ça c'est maman pas contente, d'accord. Ça, c'est le masque. Oh, trop bien, j'ai eu de la chance, ok. En bas à droite, qu'est-ce que c'est? What? Mais je t'ai pas appelé toi. Oh, je vais mettre les deux étoiles ensemble, je sais pas si ça sert à grand chose. Ok, pour l'instant, ah non, c'est pour mettre une note, ok. Alors là, il était où lui déjà? Il était là, oh, parfait. Ah mais non, mais j'ai pas fini. Mais si, c'est bon, j'ai tout trouvé, parce qu'après c'est les pièges. Alors vas-y, est-ce qu'il va le faire? Oh d'accord, fallait le récupérer, le mettre sur le câble, ok, c'est bon. Plus que 3 jours les amis. Hop là, ok, la DS est là, mais il y a un piège. Là, il y a quoi? Un escabeau. Je suis pas sûr que ce soit utile, si. On va le mettre là-dessus. Non, ça marche pas. Ah, regardez, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, bah non, je me suis fait choper. Ok, là, je l'ai mis à droite, mais je sais pas à quoi ça sert de l'avoir mis là. Ah, d'accord. What? Ils aiment trop jouer avec les boutons du menu, ils abusent aussi. Mais qu'est-ce qu'on doit faire là? Un rond? Pourquoi faire un rond? Attendez, je vais mettre ça. What? Ah, d'accord. Il s'est cru à la fête foraine, machin. Jour 29, les amis. Oh. Ok, il faut qu'on arrive à faire de l'escalade. Oh, essayez, on a trouvé un truc d'escalade, il y en a un deuxième là. C'est trop génial. Oh. Attention, attention, on va ouvrir là. Oh, what? Attendez, qu'est-ce que je peux lui prendre à lui? Non, il est super. Ok, il y en avait un sous le coussin, on a pu le prendre. Il y en a sûrement un là. Ok, il y en a un autre à trouver, mais je sais pas où il peut être. Hein. Ah, ou alors de ce côté-là, peut-être. Je peux pas juste lui prendre... Non. Ah, ok, c'est bon. Alors par contre, je sais pas dans quel ordre. Ah ouais, c'est bon, ça le met tout seul. Si ça, c'est pas parfait, l'orange, le petit rose. Et normalement, c'est bon, je peux monter. Oui, c'est bon, un petit peu d'escalade à la maison. Yes. Oh. Maintenant c'est le jour 30 les amis. Ah non, en fait je me suis fait mal, il fallait mettre un coussin en dessous de nous et maintenant on peut monter. Normalement cette fois-ci on va pas se faire mal. On a mis un petit coussin, la cheville va pas y passer. Ok, c'est bon, c'est gagné. What? Jour 30? 31? 50? 100? 200? 10 000 jours! Waouh les amis, c'est le niveau bonus je crois. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh, 10 000 jours. Ok, oh, c'est une Switch. Mais oui, oh, on joue, c'est la mer en fait. C'est quoi ce délire? Attendez, il y a la DS qui est là, la DS cassée. C'est qui là derrière du coup? Oh, il veut pas. Tiens mec, prends la DS cassée, tu veux pas? Bon ok, alors attendez, on va aller à droite comme ça. Ok, il faut ça. On va mettre ça là, très bien. Et la DS, on en fait quoi? Vas-y, go choper la Switch maintenant, c'est bon, c'est gagné. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est juste ça. Oh, oh, il a grandi. What, c'est quoi qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais non, tu me laisses. C'est papa, c'est son père. Mais non, en fait c'est la petite fille maintenant. Mais non, le père il fait la même chose avec la fille, c'est ça en fait. Ah ok 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 ok. Bon bah écoutez les amis, c'est sûrement un autre jeu que si jamais vous voulez que je le fasse sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On fera cacher mon jeu par papa si vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était Red Kill et bye tout le monde.